par le Pac Bitero à 6 reprises. Ballon récupéré par les Bitero, non? Oui, oui. Touchez le ballon dans la main, vous le voyez, non? Je la mets dans mon camp comme ça. Le match est terminé. Et la joie de tous les supporters viterrois et de leurs entraîneurs, c'est la victoire qu'il fallait absolument. 30 à 18, ce derby, voilà, il se termine avec un peu d'énervement. Richard Castel vient essayer de calmer un petit peu Renaud Payard. Voilà donc Béziers qui gagne le match qu'il ne fallait pas perdre. Il reste toujours en course la semaine prochaine, non, le 13 février pour la prochaine journée. Les viterrois se rendront à Dax et ensuite peut-être qu'ils auront leur destin en main pour recevoir Auch ici au stade de la Méditerranée lors de la dernière journée le 21 février. Stéphane. Oui, je suis avec Alain Carminati qui est rentré pour cette deuxième période. Alain, une très très grosse lucarne toute bleue vient de s'ouvrir pour le top 16 côté viterrois. Oui, une lucarne, mais oui. Avec un peu. Oui, je crois qu'il vaut mieux aller dans le couloir des vestiaires parce que les supporters biterrois n'ont pas toujours eu l'occasion de s'enflammer cette saison. On leur en voudrait pas d'être ravis maintenant. Un match qui a des parfums de phase finale, en tous les cas, Alain, vous avez connu ça. Ouais, des parfums de phase finale. Pardon. Des parfums de phase finale, pas trop. Enfin, je crois que l'USAP n'était pas venu à Béziers aujourd'hui pour mourir. Ils sont qualifiés et du Lissab s'est passé au 13 catalan en première mi-temps puisqu'ils ont eu deux joueurs suspendus. On a fait le trou et à ce moment-là, après, c'est difficile de revenir. Donc, une lucarne qui s'ouvre pour nous pour se qualifier, oui. Mais bon, ça, c'est un objectif important. Mais l'objectif le plus important, c'est de gagner aussi des matchs quand l'adversaire vient vraiment pour gagner aussi. Franchement, vous avez beaucoup, beaucoup d'expérience dans le monde du rugby. Cette semaine-là, la semaine qui a précédé ce match, vous l'avez préparé comment à Béziers? Ben, on l'a préparé. Il y avait de la pression ou pas? Je vous répondrai. Vous avez deux heures, il faut que je vous parle. Cinq minutes, quoi, hein, c'est un peu ça, hein, parce qu'on ne peut pas expliquer ça avec quatre phrases. Mais je crois que, en l'occurrence, la finalité est bonne puisque l'équipe a gagné. Donc l'entraîneur doit être content, le président aussi et les partenaires également. Merci beaucoup. Je crois que ça s'est résumé à un seul mot, hein. Pression. Pression de l'environnement. C'est ce résultat. Allez, on est dans le vestiaire viterrois. Où on n'en avait pas vu le sourire depuis quelques temps. En Coupe de France, sur le match contre Montferrand, évidemment, il y avait eu quelques déceptions. Ça fait du bien de gagner. En même temps, c'est pas exubérant. Ouais. Mais parce qu'ils savent que ce n'est pas terminé, qu'il y a encore deux matchs à jouer avant la fin de cette première phase de championnat. On va demander à François-Charles Vidot de nous passer le classement de la poule, classement provisoire, mais qui va nous donner l'importance des matchs de demain, Philippe, en particulier oui. Pour l'équipe qui est là, sixième pour l'instant. Ouais. C'est Bègle Bordeaux qui va aller jouer à Nice, le dernier de la poule. Nice, qui n'a aucune chance bien sûr de se qualifier, qui va jouer peut-être la descente de la deuxième phase, mais entre Bègle Bordeaux et Nice, il va y avoir un gros combat. Bègle doit gagner à Nice s'il veut conserver une chance de jouer le top 16. Et aujourd'hui, il est accroché par Béziers qui a fort bien gagné ce match. Ça va être une drôle de match, une drôle de rencontre. Oui, pas mal aussi le Dax Béziers du 13 février. Stéphane. Oui, avec le capitaine à nouveau, Richard Castel. Richard, votre premier sentiment au coup de sifflet final, ça a été quoi? Content. Content, bon, il y a la victoire. Et puis bon, on en avait tellement besoin que peu importe à la fin la manière comment se déroule le match, quoi, il fallait qu'on gagne. Donc voilà, maintenant c'est vrai que la seconde mi-temps a certainement été beaucoup moins jolie que la première. Et bon, mais voilà quoi. La suite de cette première phase de championnat vous appartient désormais puisque vous n'allez pas dépendre simplement du résultat de Toulon demain face à Narbonne. C'est sûr. De toute façon, on en était conscient depuis le match de Montferrand qu'il nous restait 4 matchs et qu'on avait les clés de notre avenir dans nos mains, quoi, que ça dépendait que de nous. Aujourd'hui, il nous en reste 2 matchs. Si on veut vraiment être tranquille, il faut qu'on gagne les deux. À nous de bien les préparer. Je crois qu'il va falloir qu'on redescende vite sur terre. C'est vrai qu'on a quand même passé plus d'une heure de jeu en supériorité numérique, donc ça, il ne faut pas l'oublier.
faut être, je crois qu'il faut rester vraiment humble parce que à 15 contre 15, on l'aurait eu beaucoup plus dur. Donc on va se remettre de suite à travailler et descendre les pieds sur terre. Très rapidement, sur un point de vue plus personnel, où en êtes-vous de votre blessure et est-ce que ça a été satisfaisant encore ce match? Oui, ben moi en fait, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Je me suis arrêté en tout et pour tout, je me suis arrêté 8 jours. J'ai recouru pendant 8 jours en suivant et j'ai repris l'entraînement normal lundi en opposition. Donc j'ai pas eu de douleur. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, donc c'est positif. Peut-être l'équipe de France alors. Ouais, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Merci. Dans le vestiaire de Perpignan maintenant. C'est Champagnac qui n'a pas joué. Tombé non plus. C'est pas mal la note du match, même si Alain Yardé a le visage des mauvais jours. Ça fait quelques temps que les Catalans ne nous ont pas montré grand-chose finalement, après leur faramineuse phase finale de l'an dernier. Vous avez joué un quart de finale, superbe contre Castres. Mais c'est vrai qu'ils se cherchent un petit peu en ce moment. Mais bon, ça va arriver petit à petit. Il y a la deuxième phase qui va se jouer à partir de fin février. Et donc, ils sont qualifiés pratiquement pour la deuxième phase. Maintenant, ils ont encore du travail pour se qualifier pour les quarts de finale. Exactement. Philippe, quel est le geste du match que vous avez choisi pour nous cet après-midi? Alors, c'est le geste du match, c'est le trois quarts centre rousé qui va chercher l'intervalle et qui regarde à droite, à gauche, devant et qui va donner donc d'une parfaite passe le ballon à son arrière. On voit cette action pour un trois quarts centre, c'est très très bien pour impulser, de regarder d'un côté de l'autre et d'une parfaite passe, il donne le ballon à son arrière Lafitte. On le voit ici, il y a en plus de toute l'action qui amène la passe, mais il y a eu un raffut, cette accélération, le regard et accompagner le ballon avec ses bras, ses chemins. Et c'est un connaisseur qui parle. Dans le vestiaire de Béziers, tout le monde est hilare. Stéphane Le Goff. Qu'est-ce que Stéphane est en compagnie d'un joueur plutôt. Voilà, monsieur le maire, ravi avec le maillot de Béziers. Il a le sourire lui aussi. Oui, Stéphane, rapide. Oui, je suis avec Alain Yardet. Alain, juste une petite question. Une occasion de rater pour Perpignan de finir premier de poule. Une occasion, c'est vrai qu'ici on pouvait s'installer à la première place, on s'est pas installé, c'est comme ça, je crois que s'il est ici, quand on passe une mi-temps où on passe des minutes à 13, quand en début de seconde mi-temps on prend un rouge alors que sur le coup on a pénalité pour nous, je crois qu'il y a un carton blanc puisque c'est une faute au sol, c'est le quatrième blanc et la pénalité est retournée contre nous et on finit avec un joueur à la porte et le blanc est oublié, donc bon, c'est un peu difficile. Merci. Merci Alain Yardé que l'on retrouvera très prochainement et notamment dans le top 16. Voilà, victoire de Béziers ici sur sa pelouse du stade de la Méditerranée où la réalisation était signée de François Charles Bidot avec un grand merci à notre script Ariane Gottlieb, trentenaire depuis très peu. Philippe, on se retrouve la semaine prochaine, le 31, pour les demi-finales du bouclier européen, le duplex Bourgoin-Brive et Montferrand en Narbonne. Demain, bien sûr, jour de rugby, tout de suite de notre ovale qui paraît-il est très spectaculaire. Le foot US, ce sont les Minnesota Vikings contre les Atlanta Falcons. C'est un grand match à une semaine du Super Bowl. On vous souhaite une très bonne fin de journée sur Canal. À très très bientôt, merci. Au revoir, à très bientôt.